Youfegan loin devant. Et ballon pris de la tête par Azepeki. Un Gaëtan Beuve qui est à faille. Qui revient derrière. Allez, Sochalien, un bon relais là. Le jeu à 3 avec un ballon qui a failli être une occasion de but. Sale, mais le ballon est vite récupéré par les Sochaliens, vraiment. Bien rentré dans ce match pour l'instant. Mehdi Bariki contente de trouver. Très bas. C'est un joueur important dans le 4-3-3 d'Eric parce que c'est un joueur qui assure. Il joue simple, il assure l'équilibre. Donc, dernière. Un bon ballon dans l'entrejeu, Erzepeki. Un bon ballon dans le. Récupération sochalienne. C'est là qu'il faut se projeter vite. Il a de l'espace, Erzepeki pour Bariki. Il se remet sur son pied droit, il a tenté la frappe. L'heure de jeu dans ce match, toujours pas de but. Suspense total pour celui qui rejoindra les quarts de finale de la compétition. Un bon ballon pour les Sochaliens. Côté gauche, Gaëtan Beuve. Ouais, toujours un peu d'imprécision avec ce dégagement loin devant. Emile Erzepeki. Gaëtan Beuve qui va tenter d'y aller sans doute. Et là, il a reçu le soutien de son coéquipier Carnot, qui est bien revenu.
Que les Guingampais prennent un tout petit peu le dessus. On voit un Luther Archimède qui rentre aussi volontiers dans l'axe. On n'arrive pas à le trouver. Le voilà justement. Avec Emile Erzepeki. Qui les frappe bien. Effectivement, deuxième poteau là-bas. C'est dégagé dans un premier temps. Le ballon qui est toujours devant. No!